Bon, le chat a gagné donc je disais. Bonjour tout le monde pour les gens qui voient ça sur YouTube. Re pour les gens du live. Ok, on fait la suite, j'ai compris. Voilà, je sais que vous allez m'en vouloir. Et là sur le live, il y a des gens qui vont dire: mais Spiritfarer et la suite et tout. En plus, le jeu était trop chaud et tout. Mais le truc, c'est que j'y ai joué de ouf à Spiritfarer. Mais juste pas forcément avec vous, je l'avoue. Même si la suite, elle arrive très bientôt. Et donc, bah voilà, suite de Mafia, c'est maintenant. Merci à Koneko Raz, encore une fois, décidément. Pour les gens qui éventuellement souhaiteraient acheter le jeu, je le rappelle, donc il est disponible sur PC, sur Epic Game Store. Vous avez le fameux code créateur qui est dispo en description sur YouTube, qui est également dispo avec la commande point d'exclamation Epic sur Twitch. Voilà, si jamais vous prenez le jeu et que vous voulez passer par là, sachez que ça soutient la chaîne. Ne vous sentez pas obligé, je le redis toujours, mais c'est important. Mais par contre, si vous le prenez sur Epic, mettez au moins un code créateur, même si c'est pas le mien, parce que ça soutient quand même quelqu'un, donc c'est cool. Allez, c'est parti, c'est la suite du scénar. On est maintenant dans la famille. Les premiers jours chez Salieri, on est prêt. Il se passait rien. Je déplaçais des caisses, je transmettais des messages. Les types se charriaient et racontaient leurs souvenirs. On attendait. Je commençais à croire que bosser avec Salieri était pas si dangereux. Clairement, j'avais tort. C'est toi, Tommy? Allez, t'as encore du jus. Chope-le à nouveau. Le boss t'attend. Merci. Alors, bougez pas. Ok, c'est bon. On y va. Donc là, ça y est, on a intégré le gang. On y est. Mais est-ce que ça va nous réserver plein de problèmes et plein de dangers? Sans aucune hésitation, je pense que oui. Ah, le voilà. Désolé pour le retard. Assieds-toi. Aujourd'hui, relevez des compteurs. Tommy, tu conduis. Polly et Sam se chargent du reste. Bref, la routine. On n'a que quelques arrêts aujourd'hui. Bill au motel était un peu juste le mois dernier. Donc assurez-vous qu'il paye les intérêts. Pas de problème, boss. Ne frappez personne, sauf en cas de force majeure. Nos clients doivent comprendre que nous leur offrons un service de valeur. Quand ils vous regardent, ils doivent voir Saint-Michel. Ils doivent c'est voir la voix de Gordon dans Batman. Pardon. Laissez à Morello le soin de jouer les brutes. On vaut mieux que ça. Mais quand il faut payer, tout le monde doit payer. On s'en occupe. Va voir Ralphie pour la caisse. Ok, boss. Ce plan cigare était merveilleux. Il a quelque chose pour toi. Va le voir. J'imagine qu'il va vouloir te baratiner. On va aller voir Vincenzo. Cette tenue incroyable. Ah, il est là. J'ai vu ça. Et j'ai pensé à toi. T'es déjà servi d'un flingue? J'ai déjà fait du tir au pigeon à la foire. Ouais, ça compte pas. Pointe-le sur la cible, là-bas. Attends, alors je vais y aller. Et avant ça, le pigeon des succès, c'est moi. Hop là, petit magazine 1 sur 20, voilà. Les collectables de l'enfer. J'ai bonne senti arriver. Bonne posture, mon gars. Bang, on refait les murs rouges sang. Ok. Montre-moi comment tu recharges. Pas sur moi, abruti. Ouvre le barillet et c'est parti. Dernière chose, le montre pas à tout le monde. Cache-le à ta ceinture. Bon pour le service. Quand ça commence à tirer, mets-toi à couvert et fais pas dans ton froc. Merci, Vincenzo. C'est très gentil. Hé, pour Franck et le boss, c'est Vincenzo. Mais pour toi, c'est Vinny. C'est Vinny entre nous. Pardon. Excusez-moi, je suis perdu. Bon, en tout cas, on me dit qu'il faut frapper personne et derrière on me donne un flingue. Alors je vais pas balancer, mais pas d'excès de vitesse, on donne une Ferrari, quoi. Ah. 29 octobre 1930. Le crash, un an après. La plus grande panique financière que Wall Street ait connue en temps de paix a eu lieu il y a un an jour pour jour. Et depuis, la crise économique s'est installée, sans éclaircie à l'horizon. Le taux de chômage a atteint 8% ce mois. Mais si l'on prend en compte les faillites d'entreprises, de banques et d'établissements agricoles, certains économistes imaginent que ce taux pourrait doubler, et peut-être même tripler, dans les années qui viennent. Putain, le petit Roland du hockey, c'est merveilleux, désolé, hein, j'ai demi-gerbé. Tu sais comment faire pour crocheter, Tommy ? Petit coup de coude,
Poignée intérieure. Facile. Mais faut un après-midi pour réparer la vitre. Regarde. Et apprends. T'es un vrai magicien, Ralphie. Allez, Tommy, montre-moi ce que tu sais faire. Je fouille un peu, on sait jamais. La magie des collectables, tout ça, hein. Regardez ça. Ça y est, déjà, le joueur. Le boss m'a demandé de te montrer ça. Essaie de crocheter la serrure. Ah, il y a un petit mini-jeu ou pas ? Ça y est, ça va. Tu l'as attrapé. T'as réussi. Bonne journée, les gars. Et bonne journée. Alors, vous avez dit qu'il faut virer la radio. D'abord, on va voir Al. Il tient une boulangerie sur Longman Street. Tu connais ? Ouais, je connais. Al est encore en retard ? On dirait bien. C'est dommage. Ok, la radio est virée. Mais non, mais... Ok. Je sais pas où je vais. Je sais pas où je vais. Alors c'est rigolo parce que les petits panneaux à chaque fois, vous avez vu, c'est des panneaux qui font style d'être dans le décor, mais en fait, ils vous guident avec la voiture. Alors je sais pas si c'était déjà comme ça à l'époque, mais l'idée est marrante. Parce que finalement, t'as juste à suivre ces panneaux-là. Après, ce qui manque du coup, c'est de la vraie signalisation pour savoir quand est-ce que tu stops ou pas. Mais en soi, l'idée est plutôt sympa. Ah, attendez. Bon, t'as une voiture, c'est un truc. Hop. Et là, ah, c'est passé. Ensuite, la droite, évidemment. Ça y est, il parle plus. Non mais d'habitude, il y a les dialogues trop bien. Bon, c'est pas grave, hein, tant pis, c'est pas un souci. Bon, alors où est-ce qu'on va se diriger? Si j'en crois la map, c'est tout droit, puis à droite. On va faire ça tranquillement. Alors je sais que dans Mafia 2, les phases de shoot, elles étaient plutôt sympas, mais c'était pas la grande réussite du jeu. Et là, du coup, dans ce remake, je suis assez curieux de voir ce qu'ils ont fait. Est-ce que vraiment, il y a un truc là-dessus? D'ailleurs, je suis curieux de savoir si... ce truc-là a été corrigé en GTA 5 parce que GTA 4, je sais que ça avait été l'enfer de ouf. Enfin, vraiment, les phases de shoot dans GTA 3, GTA 4, c'était tellement difficile pour rien. Même dans Red Dead, quelque part, il y avait des phases un peu compliquées. Bon, on arrive. Même si... Ah, alors attendez. Tu verras. Ouais, on va voir ça. De toute façon, là, on a le gun, donc... Tu nous regardes faire aujourd'hui, Tom. Quand tout se passe bien, c'est un vrai plaisir. Mais quand il s'énerve, faut être prêt à réagir. Ok, tu fais comme moi. Merci, Joe. Merci beaucoup. Merci, Vlad, aussi. Elle est noire, jamais jouée non plus. Polly, comme on l'a poussé, c'était magique. Comment va la petite Julia ? Elle est... Lettre de la banque. Chez Monsieur Bertorelli, par la présente lettre, nous vous notifions que vous avez manqué à l'obligation de paiement de votre prêt en cours. La mensualité devrait être payée le 15 juillet 1930. À ce jour, vous avez décliné nos demandes de recouvrement. À moins de nous faire parvenir la totalité de la somme sous 2 semaines, je n'ai pas d'autre choix que de lancer une procédure de saisie sur votre maison et votre activité professionnelle. Dans l'attente de votre réponse, Christopher Marcino, directeur de la Grande Imperial Bank. Si petite, elle commence à me casser les noix, comme sa grand-mère. C'est bien tout ça, Al. C'est très bien. Dis-moi, personne te charge d'époux ? Y a pas de voyou qui t'ennuie ? Non, non. Rien de tout ça. Bien. Donc t'as le pognon ? Oui, oui, il est derrière. Je vais aller... Tommy va s'en occuper. Toi, tu vas rester bien en vue. Ça marche au ralenti ce mois-ci, Sam. J'avais peur de pas avoir assez. Al, je sais bien que jamais tu chercherais à nous arnaquer. Eh, t'as raison d'avoir peur. C'est vrai, comment on peut te protéger, toi et la petite Julia, si tu nous payes pas ? Chercher le fric, oui ou non, Tom? Ok. On va aller récupérer ça tout de suite. Ah, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, décidément. Ce ah, les cartes de cigarettes! Oh, mais l'enfer! Ça veut dire qu'il y a vraiment plein de types de collectables différents. Ouais, infame, fetose, voi ci succhiate il sangue. Il est sur la table. L'enveloppe marron. D'accord.
Via di qui. Lasciateci in pace. C'est bon. Quel bel accent. Alors on se voit le mois prochain, Al. Hésite pas s'il te faut quelque chose. N'importe quoi. Compte sur moi, Sam. Compte sur moi. Et salut ta mère de notre part. D'accord ? D'accord. Mais du coup, je vais où ? Ah, on part simplement, oui. Bon. C'était pas trop compliqué, ça va. Trop facile. Bon. Ensuite, on va chez cette vieille peau de gêne. Le magasin de porcelaine sur Talon. Il est pas encore crevé, lui ? Non, pas encore. Il paraît que son neveu prend la suite. Tu sais, le type qui tenait ce magasin, il s'appelle pas Eugène. Il est chinois. Mais ça sonnait comme Eugène. Donc on l'appelle Eugène. Oli lui a éclaté la tête sur son comptoir en quoi... C'est pas ta Balkany, ça, c'est pas possible. Je crois. Ouais, qu'est-ce qu'on avait rigolé. Et après, plus aucun problème. Si tu regardes bien, on voit encore le sang. Le pauvre type, il a pas pu nettoyer. Yeah. On garde ces types dans nos tournées pour que les gangs de Chinatown n'oublient pas que c'est notre ville, pas la leur. Mais on connaît pas le neveu d'Eugène, donc on pourrait lui rafraîchir la mémoire. Ah, parce que c'est Eugene, vous pensez ? Ah, peut-être, ouais. Ah oui, c'est vrai que du coup, effectivement, en anglais, ça aurait mieux passé. Et là, on voit la faiblesse de la VO. Pas de la VF, pardon. Oui, effectivement. Mais quand même, merci Barry, merci beaucoup. Sinon, tu... Merci beaucoup. La colorimétrie du jeu est super intéressante parce qu'en fait c'est très volontairement terne. Et finalement ça donne une vraie identité un peu réaliste au truc quoi. C'est très, très classiquement froid j'ai envie de dire. Okay, allez on va voir Eugène. Sam, celui-ci est pour moi. T'es sûr ? Sûr de sûr. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Mais je lis clair dans son jeu, je sais ce qu'elle fait. C'est mon argent que... Il va s'en occuper tout seul ? Bah, quand Polly est sur les nerfs, il vaut mieux le laisser se défouler. Faut pas trop le contrarier, quoi. Il est comme ça. Tu peux parfois l'entendre à sa voix. Dans ce cas, laisse-le jouer au cow-boy, ça le rend heureux. Sans le drame. Ouais, ben le neveu d'Eugène aurait mieux fait de rester au lit. Quand il est lancé, Polly s'arrête jamais. Une fois, on a rendu visite à un tailleur de Holbrook. Il a fini en fauteuil roulant. Alors voilà. Eh ben, c'est du rapide. Démarre avant que les flics rappliquent. On va voir Bill au motel. Le neveu d'Eugène paiera la semaine prochaine. Avec des intérêts. Et comment il va ? Il va bien. Et sa boutique aussi ? Ouais. J'ai vu quelques taches de sang. Quelques taches ? Il arrivera à les nettoyer. Quand il sera sur pied. Tu repars en balade avec nous, Tom ? C'est horrible ce qu'il raconte. Je te préviens, aujourd'hui on risque de faire pisser le sang à quelques blanchisseurs chinois récalcitrants. Ils ont dit pas de coup de poing là-bas. C'est compliqué. Pas compliqué ? Ça te semble pas compliqué ? J'en sais rien. Ça a l'air plutôt naturel pour vous. Pourquoi ce serait pas naturel pour moi ? Donc pour toi, tout le monde peut le faire. Ouais, Polly, ça fait des années qu'on parcourt ces rues. Toi, tu débarques et tu crois que tu sais tout faire, hein ? Non, c'est pas ce que j'ai dit, Sam, mais... Ça fait que 24 heures que t'es avec nous, mon pote. T'as encore rien vu, et tu sais pas comment on gère le business. Sam, tu devrais peut-être... Non, Polly. Ce crétin croit qu'il peut jouer les durs avec nous ? Moi, les guignols comme lui, je les refroidis. C'est le moment où tu dis que t'es désolé, Tom. De quoi je suis désolé ? Je serais désolé si je voyais pas que vous étiez en train de vous foutre de ma gueule. Tu l'as fait marcher, Sam ! Tu l'as fait marcher ! J'ai senti d'ici que tu te faisais dessus. Non, j'ai pas marché une seconde. Quand Little Tony est venu avec nous pour la première fois, il était tétanisé. Il me mangeait dans la main. Ouais, tu t'en es mieux tiré que lui, de toute façon. À chaque fois que tu touches une caisse, tu fais chialer Ralphie. Ouais, c'était trop bien le côté un peu monté en tension et tout, c'était trop stylé. C'était vraiment très très cool. Ah non ! Ah non, non, non ! Attends ! Attends ! Attends ! Demi-tour. Putain, j'aime pas quand on sort de la ville.
C'est trop classe le côté extérieur comme ça aussi. Je m'attendais pas à ce qu'on ait des phases un peu de ce style là. Mais je crois me rappeler que Mafia 2 tu démarrais en extérieur aussi, un peu genre en mode ferme, ouais, dans la ferme, un peu comme ça. Les jeux de cartes, la plupart de nos activités, on s'attend à un. À moins que je confonde avec ce jeu qui était en noir et blanc. Le type nous doit une montagne. Et si c'est pas une montagne, le boss sera furieux. Ouais, ici l'argent coule à flot. La plupart du temps, les endroits miteux, c'est ceux qui rapportent le plus de fric. Saboteur. Ce motel a un nouveau standing depuis quelques temps. Le rhum qui vient de Cuba n'y serait pas étranger d'ailleurs. Du rhum? Jusqu'ici. Et comment? Le voyage justifie le prix auquel nous, on le vend. Le motel de Bill sert de lieu d'échange pour les caisses. Salieri le protège, mais laisse Bill ouvrir ses portes aux autres familles. Même à Morello. En gage de bonne volonté? Ouais. Il est à l'abri des regards dans son trou paumé. Donc tout le monde y gagne. Pas de raison de faire de vagues. Vous voulez voir si ça marchait comme Forza Horizon? Ça vous manque pas, vous, les rues, les trottoirs et la foule? Poli. A priori, non. Pas le grand air de la campagne. Il aime rien en particulier. Ni la ville, ni les bureaux, ni la campagne, ni les champs. Je déteste ce coin. C'est comme quand on se retrouve dans un champ pour faire une livraison de gnoules. On patauge toujours dans la merde, il fait froid et on y voit que dalle. Heureusement qu'on t'a avec nous, Tom. Tu vas pouvoir faire tous les trucs que Poli déteste. Si je peux aider. Ouais, donc vous me dites que le Mafia 2 c'était dans la neige, effectivement je confonds, mais c'est Saboteur, il était trop cool aussi en termes d'ambiance et de délire. Il y avait un peu de ça, honnêtement. Et puis surtout, il y avait un code couleur qui était assez intéressant sur la partie justement libérer un peu les différentes zones et tous les différents quartiers. C'était très très cool Saboteur, vraiment c'était très 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 cool. Un jeu vraiment oublié, je pense, de la génération d'avant. Peut-être que sur le live ça va vous évoquer un truc, peut-être en VOD aussi, mais c'est vrai que je connais très peu de gens qui me disent comme ça spontanément, genre ah ouais je joue à Saboteur, c'est trop cool. Bibi 300, je sais qu'il avait kiffé parce que j'avais regardé sa vidéo à l'époque sur Dailymotion pour acheter le jeu. Et pas trop tôt. Attends-nous ici, Tom. On revient dans pas longtemps. D'accord. Oula, ça va chier là. Poli, tu diras à Salieri qu'ici c'est chez nous maintenant, capiche? Et t'avises pas de revenir, ou t'auras moins de chance que tes potes. Va chercher Sam, ils essaient de le faire parler. Faut que tu vois un docteur. Ça attendra! Va aider Sam, vite! Ok. Ok, mais tiens bon. Maintenant, ça va chier. Alors là, j'ai peur parce que si on rentre dans les phases un petit peu gunfight et tout ça, vous savez que la visée, c'est pas forcément toujours mon truc en TPS. Hein. Attends, est-ce qu'il y a moyen de faire un peu la gruge? Par exemple, d'entrer, mais avec une petite... genre là, là. Non. Bon, vas-y, on va doucement. On va essayer de voir si je peux rentrer par derrière. Ah oui, là, regardez. Ah ah! Comment ça pourrait être le mien? Comment elle peut le savoir d'ailleurs? Okay. Alors je crois. Est-ce qu'il y a une récompense parce que je tue personne? Je suis pas sûr. Petit crocodile. Tout va bien. Petit crocodile. Et pourquoi pas? On ne juge pas. Je regarde s'il y a des trucs genre munitions ou quoi. Je sais pas si c'est le genre de jeu où ils cachent des choses dans les chambres. Ah bah si, regardez. Très bien ça. Comme ça, si jamais il y a un problème, je sais quoi faire. Petite chemise, très bien. Belle chambre effectivement, ouais. Ah attends, c'est quoi ça? Ah parfait! Les munitions pour le pompe, ok. Enfin le pompe, pour le fusil. Donc pas un mauvais move hein, ce que je viens de faire finalement. Maintenant le problème c'est ça quoi. Juste ici.
Mais quel connard ! Pendant qu'il recharge. D'accord, ok. Donc quand ils attaquent, c'est tu fais Y. C'est moi ou juste avant d'entrer, j'ai osé dire ça va chier en plus. J'espère que je vous ai évité cette blague. Ah désolé, j'ai glissé. Alors où sont mes copains? Ah, trousse de premier soin. Ok. Ah, dommage. Ok. C'est moi ou je suis en train de faire un génocide? Alors je voulais pas à la base hein. Moi j'étais vraiment là en paix hein. Ah, Roberto. Roberto, ouais oh, putain. L'ambiance est géniale. Mais non! Quel enfer. Je suis trompé de touche. J'ai plus de balles. D'accord, ok, c'est bon, je peux changer. Bon, là, normalement, ça s'est pas trop mal passé. Ouais, bon. Putain, ils t'ont pas raté ces salauds. T'en fais pas, ça va aller. T'as un dur à cuire, toi. Merde. C'est lui qui a le pognon, Tom. Je vais choper cet enfoiré. La course. Il est où Sam? Il est à l'intérieur, ça va. Alors on va chercher l'argent! Go! Oula! Mais comment je vais faire pour la voir? Vite! Ah, je peux tirer au volant? Mais genre. Ouah, trop ouf! Attends, je tire pas sur la bonne. Ah non, c'est la bonne. Ouah, trop bien! Mais non! Mais quel con! Attends! Mais je voulais changer d'arme! Je me suis loupé! Attendez, j'arrive! Ah oui, mais je sais! J'arrive! Vite! Vite, vite, mais non! Mais non! Mais quel en... Quel empoté, c'est pas possible! Désolé, hein. Désolé. C'était pas le but. Je voulais vraiment changer d'arme parce que tout à l'heure, quand j'ai maintenu X, il est passé du flingue au fusil. Donc je me suis dit, de manière logique, dans la bagnole, c'est la même chose. Mais ça, c'était sans compter sur le fait que oui, ça nous faisait sortir. C'est pas grave. Il est où, Sam ? Il est à l'intérieur. Allez, vite, ça va. On y va. Alors, on va chercher l'argent ! Et là, on envoie tout. Merci, la save auto. Heureusement, il n'y a que les pistolets au volant. D'accord, ok, ça marche. Dommage parce qu'au fusil on aurait pu faire un truc stylé. Bon allez, c'est parti. Alors là vous allez voir, on va bourrer. Comme Jaja. Alors je peux pas viser par contre hein. J'ai pas de bullet time à la con ou quoi avec une visée. Alors, je sais pas si ça sert à quelque chose que je fais. Ah là oui. Et dégage. Ok c'est bon, ça va aller le coup. Allez, dépêche-toi. Bon, j'espère qu'il y a personne derrière. On va voir. Ah, mais encore des ennemis, mais c'est incroyable! Cette séquence! LB, c'est pour tirer au volant. Oui, 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 d'accord. Okay. Allez, attention. Mais qu'est-ce que tu crois faire là? Quel connard. Bon, j'ai perdu un peu de vie, mais c'est pas grave. Et là, c'est le drame. Très très cool en tout cas. Allez! Mais
Mais non. Ok, c'est bon, là, ça y est. Alors, le truc, c'est que j'ai l'impression que la visée, elle est vraiment amoindrie quand je suis pas, genre, vraiment très près. Dommage. Ah, avouez que ça aurait eu du style, quand même. Si j'avais réussi, ça aurait été vraiment ouf. Mais là, non. Mais j'y ai vraiment cru. Ok, attention. Et là. Tu crois que ça passe. Alors, techniquement, il peut plus bouger là. Bon, moi non plus. J'ai vraiment compris ce que ça voulait dire que de bosser avec ces types. C'est à ce moment que j'aurais dû me tirer, mais... C'était trop dur de redevenir un pigeon. Évidemment. Cette conclusion incroyable. Et donc, c'est comme ça qu'un type, tout ce qu'il y a de plus normal, passe de taxi à Gorille, c'est ça? Le hasard? C'était pas comme ça que je le voyais. Il avait fallu que je me garde dans cette rue, que je sois à la pile quand Polly et Sam déboulent. J'avais quoi? Une chance sur un million? C'était... comme si quelqu'un veillait sur nous. Si ça t'aide à dormir la nuit, tant mieux, mais c'est quand même un sacré coup de peau. C'est vrai, un jour, tu te crèves le cul dans un boulot honnête dans une putain de ville qui fait tout ce qu'elle peut pour se débarrasser de toi. Et le lendemain, tu t'en mets plein les fouilles avec l'argent sale de Salieri. Et tu mènes la belle vie. Ouais, enfin pas vraiment. À l'époque, Salieri était pas à la tête de la ville. Pour chaque dollar gagné par Salieri, Don Morello s'en faisait 10. Il arrosait les flics, les politiques, les juges. Et ceux qui pouvaient pas acheter, il les terrorisait pour s'en tirer. C'est vrai qu'avec lui, la ville était terrorisée, je peux pas dire le contraire. T'as déjà entendu parler de Joey Crackers? Ouais, il y a son nom dans l'enquête, Morello. Un boxeur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc pour les gens qui auraient éventuellement manqué le truc, c'est qu'effectivement, on a le flic qui nous parle et nous raconte tout. C'est que Joey allait au gymnase un matin. Il devait sûrement rêver à sa carrière de boxeur. Putain de merde! Abouti! Conduit avec de la merde dans les yeux! Regarde-moi ça. Oh bordel de la merde. Don Morello. Je savais pas que c'était vous. Ah, parce que toi, tu connais d'autres conducteurs de bagnoles importées? Non. Je suis désolé. Je conduisais très lentement. Quoi, tu dis que c'est de ma faute? Non, non, pas du tout, monsieur. C'est juste... c'est la première fois que j'ai un accident. Ouais. Les réparations vont être chères. Oh non, ne vous en faites pas pour ça. Les pneus ont rien. La calandre a un peu souffert, mais j'ai un cousin qui... de la paix avant tout. Ah, c'est du vent cette histoire. J'ai un rapport qui explique que Morello se faisait une véritable fortune à chaque fois que Joe Cracker s'allait au tapis. Ouais, c'est vrai, ça aussi. Et pourtant, Morello a laissé ce pauvre Joe caner la bouche ouverte, et tout ça au beau milieu de la rue. Ça colle pas. Peut-être que le Don savait que la carrière de Joey était finie, peut-être qu'il voulait effrayer un autre type pour qu'il honore sa dette. Don Salieri nous a averti que Morello était pas foutu de réfléchir quand il était en colère. Il y a eu d'autres altercations avec les gars de Morello après? Pas au début. Pendant quelques années après mon arrivée, les choses se sont tassées. On a bien eu deux ou trois coups de chaud avec des types qui voulaient faire leur trou, mais sinon c'était la routine.
fourguer l'agneau, l'assurer la protection, faire la tournée des compteurs, un truc simple. Mais, je vais être honnête, la plupart du temps, il faut avouer qu'on se marrait bien. Tommy, merci d'être venu aussi vite. C'est normal, boss. Il vous faut quoi? T'es au courant pour la course? Ah, oui. Polly et Sam ont parié sur le type du coin, là. Ah, qui donne. Ouais, voilà. Le petit est bon, mais il a le sang chaud et l'argent lui brûle les doigts. Il y a quelques années, Mikey vient me voir et me demande un prêt. Il veut de nouveaux pneus pour que sa bagnole survole la compétition. Moi, j'aime ça, les caisses rapides. C'est un peu un hobby. Mais tu vois, Mikey est un super investissement. Le môme gagne à chaque fois, sans exception. Alors il commence à se faire un nom, et moi je parie sur lui de temps en temps. Et en un clin d'œil, j'ai récupéré tout mon argent, sinon plus. Ouais, ça me dit que c'est l'homme à battre. Il l'était. Toutes les courses sont en dehors de la ville. Mais Ralph dit qu'il y a un Européen, genre tête brûlée, qui veut tenter sa chance. Et qu'il a une caisse beaucoup plus rapide que celle de notre champion. Il y a combien d'argent en jeu? Une montagne. Mais c'est pas tout. Plein de types du quartier viennent me voir pour des conseils financiers. Ils ont tous misé sur le gamin. S'il perd, ça sera comme un nouveau jeudi noir, tu vois. Enfin, pour tout le monde, sauf pour Morello. Vous croyez qu'il mise sur l'Européen? Oh, j'en suis certain, même. Vous voulez qu'on se débarrasse du type? Il est introuvable. Morello l'a planqué quelque part. Et puis, s'il abandonne ou qu'il disparaît avant la course, tous les paris sont annulés. Tout le monde dira que la course est truquée. Et sa caisse, alors? Ouais, t'as tout compris. Ralph connaît un gardien du circuit. Ce soir, tu vas là-bas. Tu récupères la bagnole de l'Européen. Tu l'amènes à un de nos mécanos, il fait 2-3 bricoles, et puis tu la ramènes. Je m'en occupe, boss. Sarah, je peux boire quelque chose? Quand tu auras 5 minutes? Bien sûr. Pouah, le plan, la lumière, les couleurs, tout. Ça défonce. Donc quelqu'un nous dit, ouais, que là, la mission qui arrive, a priori, sur le jeu de base, c'était vraiment une des pires missions. Et bah, on va voir ça ensemble. Et du coup, Ogre aussi nous dit, l'ambiance mafieux comme ça est énorme. C'est vrai que ça rappelle un petit peu le Parrain. De toute façon, le jeu est très référencé d'un point de vue cinématographique. Mais là de nuit, le jeu, il explose. Hein. C'est-à-dire que de jour, c'était très cool, mais de nuit, il y a vraiment un cachet assez particulier. Tommy, bientôt le grand jour, hein. T'as déjà vu des courses? Ouais, on parle que de ça. Salieri va tout faire pour empêcher Morello de prendre la tête. Ah ça, ouais. Faut lui envoyer un message. Alors, ce soir, on emprunte la voiture de son pilote sur le circuit. Mon pote Bobby est de garde. Et si tu lui graisses la patte, il te montrera où elle est. Il regardera ailleurs quand tu l'emprunteras. Il me plaît déjà, ce Bobby. Ouais. Et puis, il y a ce type Lucas Burton. Si tu lui amènes la caisse sous le Juliano Bridge, il pourra... Enfin, il la bidouillera. Comme ça, la course sera plus intéressante. Et après, je ramène la caisse au circuit, et Bobby peut arrêter de regarder ailleurs. Mais faudra faire vite. Bobby termine de bosser à 1h30, et le type d'après, c'est un con. Oh, salut. Merci, si t'as besoin d'un endroit qui craint rien pour entreposer tes caisses, tu peux utiliser le garage. Carlo a enfin tout nettoyé. C'est bon à savoir. Ah nice, donc là en fait on peut stocker... Alors, est-ce que je stocke des véhicules ou est-ce que seulement j'en ai à dispo? Ah stylé. Et voilà. Que demander de mieux? Parfait. Oula, par contre ça a l'air d'aller vite. Très très belle bagnole. Ah oula. Ah vous dites c'est la voiture de Mafia 2? Ah merde, ça doit être un bonus de précommande à la con, je sais pas quoi, non? Ah, j'ai cassé le RP, non! J'aurais dû prendre le taxi! Parce que, attends, je viens de réaliser un truc là, c'est le perso de Mafia 2? Parce que, alors, je vous l'ai dit, je l'ai fait à Mafia 2, mais ma mémoire, c'est toujours terrible. Ah.
Ah, c'est que c'est une voiture trop récente, vous dites. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Me spoilez pas, parce que du coup, je sais plus du tout pour le lien entre le 1 et le 2. Je sais que le 2, je l'avais adoré, mais après, de là à me dire que je me rappelle de tout, pas sûr. Et d'ailleurs, il n'était pas très long, à l'occasion, éventuellement, on pourrait peut-être le faire aussi. Hein. Bon, il n'a pas été remaké, par contre, celui-là, mais il tient encore la route pour certains aspects, je pense. Il y a un lien, mais je ferme ma gueule. Ah oui, ça sent le spoil. Ne spoilez pas, s'il vous plaît, sur le chat. Bobby, c'est toi ? Ouais. On peut emmener ta voiture au garage. Il y a de la place. Les amis de Ralphie sont mes amis aussi. Ouais. Tant que tu paies. Demain matin, ils vont arriver. De toute la ville. Ils trafiquent de l'agneau, là. Ils se bastonnent. Je déteste ça. Arrête. C'est quoi ton problème, toi ? Arrête. Ce week-end, il n'y aura pas meilleur endroit pour faire une charmante rencontre. Me lance pas sur le sujet. J'ai eu ces trucs. Oh, non, on parle de personne, hein, pas de trucs par contre, tu vas te calmer. Du coup, l'anime de sortie, elle marche pas, c'est rigolo. La voilà, la Carrozzella série C de 1929, le top du top. Dommage que tu doives la défoncer. Si ils te voient rouler avec, les flics vont te poser des questions. S'ils arrivent à me rattraper, essaie de la garder en un seul morceau. Donc, je dois être revenu de chez Burton avant 1h30, avant le changement de garde. Ouais, c'est un con. Il paraît. Oula ! Oula ! Oula ! Ça va tellement vite ! Ah, je peux pas couper la musique ! Ah non ! Quel enfer ! Bon bah décidément, bah désolé hein. Bon, je fais attention. Là ça va bien se passer, regardez ça. Hop, 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 hop. Ah putain, je pouvais conduire comme ça. Oh, mauvais plan, mauvais plan, mauvais plan. Ah. Tout va bien. Ça va, c'est quasiment un quart. Attention, le pilote. Oh merde. Le pilote. Elle a pas des super freins, hein. Mais ça va encore, on fait les choses avec. Mais c'est pas, ouais, c'est pas la voiture qu'on pourrait attendre. Oh, joli! Ah merde, karma. Plus que 2 minutes. Go! Ah merde. Merde. Alors, je vais être un peu plus vigilant. Je vais devoir faire attention. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Je pensais pas en fait que je pouvais détruire ma voiture tant que sa vie en bas à gauche n'était pas vidée. Bon, malheureusement ça s'est pas très bien passé, mais c'est pas grave, on a pu tester un petit peu les choses. En tout cas la bagnole est super cool à conduire là-dessus, c'est vraiment pas mal. Et puis le délire un petit peu musical et tout, ça marche trop bien. Par contre c'est moi où le perso il est très très grand, dans une voiture finalement assez petite. Ceci dit, à conduire ça doit être dingue hein. Je sais pas combien ça coûte aujourd'hui comme bagnole, mais ça me fait méga collecte. Je crois que ça vaut le prix d'une R8. Ça fait très très voiture Monopoly. Je sais pas encore jusqu'à quelle heure je live pour la personne qui a posé la question. Attends, non, non. C'est bon, easy. Voilà, je vais faire plus attention, on va aller vite pour être dans les temps, mais pas trop vite non plus, parce que faut pas déconner. Ah, à moins que ce soit cette fameuse mission où en fait tout le monde galère pour arriver à faire le truc à temps, c'est ça? On verra. Oh là, voilà, voilà, voilà. Je pensais que la voiture est petite. Ouais, c'est possible. Et quel enfer. Non, c'est pas cette phase. D'accord, ok. On verra après. Allez. Oui, je vois pourquoi je pense ça. Allez, viens.
Qu'est-ce que c'est? Comment ça, voiture de course en ville? Mais alors, c'est pas grave. Quel problème? Mais monsieur l'agent! Quel problème? De toute façon, dans 3 minutes, ils l'ont oublié, donc... Ah bah bon, ils m'ont déjà perdu quand même. Bon, j'ai galéré. Excusez-moi pour le petit fail de conduite, c'est compliqué. Ah ça y est, ils m'ont. Ok. On va rester là, normalement il va rien se passer. C'est rigolo avec la vitesse comme ça, parce que justement ça fait une vraie différence par rapport à avant quoi. Oh, mais le frein, mais vous avez vu ça, la distance de freinage, c'est incroyable. Ok. C'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. Après, je suis dans le bon chemin, ça va, mais. Quel enfer! Chaque fois, je crois que c'est le frein à main, mais je me trompe toujours. Hein. Si encore je faisais exprès, ça pourrait être marrant, je pourrais faire une manœuvre un peu stylée, mais c'est même pas le cas, quoi. C'est horrible. Voilà, c'est bon. On y arrive. Ah, c'est le running gag, la touche X. Tommy Angelo. Luca Berton. Wow, ça c'est de la bagnole. Hé, hey, on n'a pas beaucoup de temps. T'inquiète, je suis du genre rapide. Donc fais pas. Salut toi. Ok, c'est bon. Merci Lucas. Je dois la ramener avant que quelqu'un donne l'alerte. Vas-y doucement. Elle est un peu capricieuse. Hé, hey, dis à Monsieur Salieri que je suis toujours dispo pour ce genre de boulot. Je bosse pour plein de gens différents. Mais avec vous, je sais à quoi m'en tenir. Voiture volée, vous recherchez tout tant que vous y mettez. Espérons que le gars de Salieri gagne demain. On aide bien à tous. Ok. Sois prudent. Ça sent la manœuvre de l'amour, ça. Alors, retourne au circuit de course. D'accord. C'est quoi le truc là avec la chaleur? Ça a l'air étonnant cette histoire encore. Bon, là, c'est juste un simple demi-tour, hein, donc y a pas de mystère. Petit reflet sympa au niveau de l'eau, là, ça marche bien ça. Alors je pense qu'il faut pas que je chauffe trop le moteur. C'est le sabotage, ouais. Et donc là je dois faire très très... Oui ça j'ai bien compris qu'il y avait trafiqué le moteur, mais c'est juste que j'avais pas compris que c'était le sabotage en question qui était l'interface en haut là. Mais donc j'imagine que si je vais trop chaud j'explose quoi. Donc on fait gaffe, ok. Là, j'ai quand même regardé la ciné, je vous rassure. Allez hop. Par contre, le sabotage, il a tué les commandes aussi. Hein. Oh, ce klaxon! Ah, mais les roues, mais quel enfer! Ah! Ah! Je suis en vie. Attention! Ah. Ça sent le flic, ça. C'est bon, c'est la maîtrise. Ne vous inquiétez pas. Mais quel connard. C'est pas grave. Le vu là. Mais quel enfer ce klaxon! Ça va, ça vous énerve pas trop? C'est ok?
C'est pour prévenir qu'on est là, hein, bien sûr. Ah, t'as réussi. Dieu merci. Elle est parée. Elle roule comme un vieux taco. Ok, foutons le camp d'ici. Demain, c'est le grand jour. Ça y est, c'est Fast and Furious. Chicago Drift. Donc là, Sam sort des chiottes. Et moi, je prie pour qu'il soit armé. Vu que tu vois, je suis pas vraiment sûr que le barman va me donner ce qu'il doit. Et en même temps, il y a ces deux fils qui me foncent dessus en se faisant craquer les jointures. C'est des géants de 2 mètres, bâtis comme des chars d'assaut. T'avais une arme ? Ouais, ma bite. C'est vrai, cette espèce de taré, il sort des chiottes et il se met à pisser par terre dans tous les sens. Sérieux ? Mais quoi, il a pas appelé les flics ? Non. Oh, c'est vrai que parfois ça sert de se faire passer pour un timbré. Tom. Ah oui, Reservoir Dogs, bien vu. Tu as un moment ? Bien sûr. On a un petit problème. Le boss va bien ? Oui, oui, ça n'a rien à voir. Mikey Dunn, le pilote. Des gars de Morello l'ont salement tabassé la nuit dernière. Il a le bras et la mâchoire cassés. Il est à l'hôpital. Oh merde. Oui, c'est dur pour Mikey. En attendant, tu vas faire la course à sa place. Attends, quoi ? Mais Franck... Tom, la course commence dans une demi-heure, donc je ne te laisse pas le choix. Le Don veut gagner, mais au-delà de ça, il veut que Morello perde. Et toi, tu es notre meilleur pilote. C'est pour ça que c'est à toi que j'en parle. Ouais. Ok, Franck. Bien. Ralphie a déjà préparé la voiture. Va tout de suite sur le circuit. Ah. Ça, c'est pas de bol. Alors, je vois sur le chat que Samy, sur le nombre de try, moi je dis un try. Easy. Courir avec nous aujourd'hui. Une information de dernière minute. Le champion local de Lost Heaven, Mikey Dunn, est forfait. Pour le remplacer, voici... C'est Bourba. Je pense que tout le monde se joindra à moi pour lui souhaiter bonne chance. Les concurrents sont sur le départ, la course magnifique. Va démarrer. En vrai, c'est trop cool d'avoir fait une phase comme ça. Le jeu qui utilise ses différents gameplays pour faire un peu les phases qui changent, on va dire, il y a un vrai intérêt quoi. Bon, je dis ça encore une fois, j'ai pas joué à GTA 5. Si se trouve, GTA 5, il y a des phases de ouf, mais. Mais comment tu veux que je gagne ça ? Ah ! D'accord, c'est pas Gran Turismo, oui. Bon, ok, c'est bon, je gère. J'ai compris le gameplay, ne vous inquiétez pas, je maîtrise parfaitement la situation. Grand joueur de jeux de voiture de mon état. Spécialiste de F1 2020. Auquel je joue mais pas en live. Grand amateur de Dirt 3. Émérite détenteur d'un 80% bien tassé sur Forza Horizon 4. Faut absolument que je sois premier, j'imagine. Mais cette manœuvre incroyable! Oh là là! Alors ça, c'était magnifique! Comment ça, n'importe quoi sur le chat? C'est pas parce que vous maîtrisez pas le jeu vidéo que faut de suite venir enfoncer les autres! C'est pas parce que vous aimez pas Crash Bandicoot 4 que faut dire aux autres s'ils doivent aimer ou pas! C'est la même chose! Oh là, terrible, terrible! Bon alors. Par contre, il me reste plus que, plus que 2 tours, donc maintenant faut jouer pour de vrai. Est-ce qu'il y a la speed qui est gérée dans le jeu ? Honnêtement, je pense pas. Ah ! Ah ! Ça y est. Mais allez, avance ! Mais bouge là ta caisse, là, punaise ! Bon, après, ça va, s'il me reste 2 tours et 2 personnes à doubler, ça va être easy, hein. La sortie de Lichtenberg a mis le feu aux poudres.
Alors, il y a un bug dans le jeu, je sais pas si vous venez de le voir là. Enfin, un bug, une gestion de la physique intéressante, c'est que quand tu driftes, tu accélères. Donc en fait, je pense que si tu driftes constante comme ça, tu vas toujours plus vite. Ouais, vous avez vu ? Ça fait un petit... C'est le dérapage turbo de Mario Kart. Donc là, par exemple, tu fais ça. Et là, tu fais accélérer, 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 accélérer. Et en fait, quand t'es sur le départ, il accélère. Donc du coup, tu lui mets la misère. Parfait, ça. Comme Mario Kart, exactement. Voilà, c'est le même principe. Aïe, aïe, ça va être compliqué, ça. Ok, c'est bon. J'ai encore un peu d'avance. Alors là, par contre, je vais essayer de faire la même chose, mais en mieux. Yes, c'est bon. Ok. Bon, là, c'est bon. Je maintiens ça et on est bon. Faut pas trop que je galère, mais normalement on est bon. Là vous avez vu le petit drift qui a fait le boost. Là hop, pareil encore une fois un petit boost. Allez, ça va bien se passer. Là gros boost. Bon, si seulement ça pouvait se terminer ici, ce serait bien mieux, mais bon. C'est pas grave, on va se débrouiller avec ça. Merde. L'erreur. Bon, j'ai posé le frein à main pour pas trop galérer. Mais je fais ça pour ajouter un peu de tension, évidemment, parce que sinon il n'y a pas de tension dramatique dans la course, ça va pas du tout. Là, on est dans, là faut imaginer, on est dans Driven avec Stallone qui est contre Jimmy Bly. Et en fait, ouais, bref, un truc de Formule 1. Non, même pas Formule 1 d'ailleurs, mais bon, bref, de voiture. Qui est génial. Film de l'amour de mes années lycée. Qui raconte pas quelque chose de passionnant, mais par contre, c'est tellement l'esprit shonen de la course. Gros film. Ah, franchement, moi j'ai trop kiffé à l'époque. Hein. Puis même le final, il est marrant et tout. Bon, après, il y a des trucs un peu fumés, hein, genre la course de Formule. Mais c'est quoi Formule 3000, je crois ? N'importe quoi. Ok, c'est bon. En tout cas, le LD de la course est sympa. Honnête. Circuit très honnête. Allez. Les yeux fermés. Jour de tonnerre avec Tom Cruise. Ah, je connais pas ça. Bon, bah ça a l'air bien fait tout ça. C'est bon, il a pas un système de boost. Et go! C'était un first try. Tom, je voulais te remercier pour ce que t'as fait. J'avais parié 6 mois de loyer sur cette course. Sans toi, je serais déjà sous les ponts. Tu sais, j'ai juste fait ce que le Don m'a demandé. Ouais, mais j'aimerais quand même te remercier. Tu peux passer au garage quand tu veux. J'ai peut-être un truc pour toi qui pourrait te rapporter gros. Ok, ça marche. Merci. Je savais que tu nous décevrais pas, Tom. Tu nous as aidé à remporter un beau pactole. Et Morello va devoir se contenter de la petite monnaie pendant des semaines. Et l'Européen, alors ? Ah, lui, il doit déjà essayer ses nouvelles godasses en ciment. Tiens, on peut dire que tu les as pas volées. Emmène ta copine dans un bon resto. Merci, boss. À la vôtre, les gars. T'as bien une copine ? Va pas tout claquer dans cette l'alcool course, et les filles. Quelque chose, hein ? Santé. Non, bah, j'achèterai quelque chose à ma mère. Bon, garçon. Va donc te chercher un verre. Félicitations à notre héros. Moi, j'ai eu de la chance, c'est tout. Bon, j'avais parié sur l'autre équipe, donc c'est toi qui rince. Ok. Attends. Maintenant, t'es bon pour les photos. Merci. En fait, quand t'auras fini de pavoiser, tu devrais aller retrouver Polly. Il est tellement cuit qu'il pourrait se faire renverser par une bagnole garée. Ouais, t'as raison. Je vais le ramener chez lui.
Alors, je veux pas faire mon relou, mais là, le petit prototype, c'était pas Poli qu'il fallait ramener chez lui. Mais bon, c'est pas très grave, c'est un coup manqué. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, cette course est en fête, et cette course est en réussie, bien sûr. Eh bien, nous allons passer à la prochaine VOD, parce que oui, là, vous en avez déjà trop vu, ça allait trop vite. Que va-t-il se passer ensuite ? Poli, on sent que là, il y a peut-être des embrouilles. Eh bien, ça, vous le saurez dans la prochaine VOD. Merci à vous d'avoir suivi ça, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour la suite, effectivement, de Mafia. Voilà, ça y est, c'est dit. Et pour les gens qui sont sur le live, du coup, ne quittez pas, je reviens dans un instant. À tout de suite.